Et salut tout le monde, c'est Diablo et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play sur Need for Speed Most Wanted 2005. Et dans l'épisode précédent, c'était rendu jusqu'ici où on recevait le message de Rogue. Rogue qui nous fait balancer des infos, même si c'est pas vraiment super intéressant et important. Bref, donc on va continuer tranquillement ce petit Let's Play. Donc on va aller directement là, hop. Comme j'ai dit, pour l'instant je ne me téléporte pas sur l'émission. De toute façon il faut se rendre au QG pour les téléporter sur l'émission, c'est pas vraiment intéressant. On va perdre notre pièce. On va enchaîner les courses. De toute façon au début c'est assez simple vu qu'il n'y a pas énormément de courses à faire. Et que les défis en poursuite sont assez simples. Allez. Pareil que pour Camargaedon, hein, c'est y en a si on s'est intéressé pour faire des courses en multijoueur sur Most Wanted. Je crois que le multijoueur officiel est un petit peu mort. Donc via Machi, hein. Ça viendra. N'hésitez pas à le demander, hein, Pierre. Pour ceux qui veulent mon Skype ou quoi, juste à m'envoyer un petit. Dites-le en commentaire, en MP. Il y a mes adresses mails, etc. Et quand vous me contactez, n'hésitez pas. Ça me ferait bien plaisir de jouer avec les personnes qui suivent un petit peu mes vidéos. Il faut que j'essaie de faire une intro et une outro sur mes vidéos. Pour l'instant, je ne l'ai pas. On va aussi refaire ma bannière. Un petit peu trop simpliste et surtout pas super, je trouve. Tout mon avatar et ma bannière sont pas vraiment raccord, et bon, c'est pas vraiment des choses qui pressent, même si ça pourrait attirer un peu plus de monde, même pour l'outro et l'intro. Hein, de toute façon, on sait que on est sur la chaîne. Ma chaîne, donc moi des gens essayent de voler mes vidéos, ça m'étonnerait.
ce troisième tour. Et voilà. Et on va se diriger vers une autre course. Donc là, ils sont assez éloignés. Péage, ça aussi c'était un peu les courses galères. En fait, c'est pas vraiment utile que je mets le GPS, c'est juste pour indiquer le point. Pardon, pas le faire d'auto. Essayer de faire des vidéos diverses hein, parce que si je fais que du let's play, je pense que ça va pas vraiment intéresser du monde, surtout si le jeu n'intéresse pas grand monde, enfin, si certaines personnes ne veulent pas voir ce jeu là en particulier, ils vont un petit peu zapper ma chaîne. Je verrai faire d'autres vidéos découvertes sur certains jeux, pas dans cette bagnole hein. On est pas mal sur Steam que j'ai pas encore lancé. Notamment des jeux d'aventure en point and click. J'aime bien ces types de jeux, même si j'en fais pas très souvent. D'ailleurs, je vais peut-être faire des Walking Dead hein, parce que je fais un peu la série. Sortant les OSTFR. J'avais déjà fait la première saison, celle faite par Telltale Games. J'avais fait la première saison avec une patch français là, officielle. J'avais trouvé le jeu assez sympa, même si j'ai pas lu les comics. Donc le jeu se réfère sur ce. Cette BD, non sur la série. Puis j'ai aussi plein d'autres jeux. Après c'est à vous de voir hein, ce que je peux proposer des. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire des vidéos en début de mois en proposant tel ou tel jeu et faire peut-être un sondage ou quelque chose. Faire un petit peu participer sur ma chaîne pour savoir quel jeu vous voudriez pour let's play, même pas un let's play hein, juste faire une petite vidéo détente ou découverte sur un jeu. Après vous pouvez aussi proposer des jeux hein, n'hésitez pas, même si certains jugez pas vous intéresserait que je fasse un let's play ou pas en let's play hein. Une vidéo comme ça, vous pouvez toujours proposer, je verrai bien. Après, en type de jeu, ben, je suis pas très fermé, même si il y a certains types que je suis pas trop fan, comme par exemple les MMO, enfin les RPG quoi, certains FPS, les jeux de foot, même si bon, je suis pas trop compte une ou deux parties, mais ça me saoule assez vite. Comme les FPS, hein. Tes victoires ont fait du bruit, et Taz t'a remarqué. Ouais, je m'en fous, Taz Mani. Ouais, juste à continuer. Ah, il propose directement le défi en fait. Ouais, ok, il faut juste que je fasse une side course. Donc, vous savez quoi, on va juste. Ouais, je vais faire les deux dernières courses là. J'ai déjà fait le défi.
avec les flics, juste faire les dernières courses. Et j'ai stoppé l'épisode juste avant de faire le défi. Pas de 14 centimes. Je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de faire un ou deux épisodes sur les courses de chaque membre de la liste noire. Puis j'essaie de faire un épisode spécifique aux courses du joueur. Après c'est selon le temps, parce que bon, je chronomètre pas les vidéos, hein. Je fais ça au feeling. Pas vraiment de contraintes à ce niveau-là. Hein. Enfin, c'est juste pour moi avec l'upload, hein. C'est un petit peu galère. J'ai pas envie de faire un peu des vidéos très courtes. Parce que je trouve que ouais, une vidéo de 10-15 minutes, c'est pas... pas super pour un let's play. Après je peux comprendre que les vidéos de 30-35 minutes ou 40, certaines personnes sont pas trop chaudes pour mater ça. Une tanche. Bon, vous verrez rarement des épisodes d'une heure, hein. Ça, je dis, clairement. Sauf si on arrive à la fin du jeu, je me dis ouais, ça vaut pas trop le coup de scinder le truc en deux. Mais bon. De manière générale, pour un let's play, je pense que 30-35 minutes, c'est ce qu'il y a de. C'est ce qui peut être pas mal en termes de durée sur un épisode. Sachant que pour l'instant, mon épisode est fait. Enfin, les épisodes sont faits de manière brute. Que j'ai pas d'intro d'outro. Mis à part. Instant gaming, non plus l'instant gaming au début. Mais bon, je pense que je vais peut-être la virer, sauf pour l'instant, ça me sert à... pas vraiment de revenus dessus, donc ça sert à pas grand chose. Je pense que je vais la virer cette intro instant gaming pour le moment. Il faut vraiment que, ouais, faut que je fasse une intro et une outro sur mes vidéos. D'ailleurs, si des personnes sont intéressées pour les faire, hein, n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi, personnellement, je suis pas vraiment à l'aise avec Sony Vegas. Hein, je découvre un petit peu le logiciel. Donc, j'ai commencé les vidéos YouTube ça va bientôt faire plus de 2 mois. Hein, parce que j'ai commencé avant Noël, je crois que c'était le 22 décembre. En mars, ouais, ça fait bientôt 3 mois. Ces vidéos, comment les filmer. Allez, on va conclure avec l'autre course. Elle est où d'ailleurs? Ok, il faut retourner à droite. Ça vaut pas trop le coup de prendre la course. Ça sera à droite. J'étais quand même sur sa gauche. En fait. Ouais, j'ai toujours eu un petit souci avec la droite et la gauche. Je sais pas si vous avez remarqué un petit peu dans les vidéos. Voilà, hop, élimination. Hop. Et après ça, je clôturerai ce 3e épisode. Alors bon, je pense que ouais, pour ce jeu, une vingtaine d'épisodes, une trentaine d'épisodes, je pense que ça serait bien. Sur les 30 minutes d'épisodes. Mis à part si j'ai un gros pépin sur une course, de toute façon je couperai. C'est rien que je vous filme une course où je passe 2 ou 3. Essayer dessus. Manière, je crois que j'en ai acheté assez peu sur les jeux de course. Même de manière générale, je crois que j'ai assez peu.
tranquille. De toute façon, je pars du principe que les jeux vidéo, c'est fait pour se détendre. Sans prise de tête. C'est pour ça que je joue très peu au FPS, que je remarque que c'est quand même un genre de jeu qui est facilement énervé. En même temps, mieux. Alors, je pense que c'est le type de course où il ne faut pas prendre raccourci parce que. Ouais, on tourne. Continue. Ah, gauche. Voilà. Je ne fais pas prendre raccourci, sinon je serais déjà éliminé. Qui mettent des Lexus dans le jeu, comme des japonaises. Ouais, j'aime bien me référer de tel jeu à tel jeu. En ce moment, je suis assez sur The Crew. Je repris un peu vu que il y a du nouveau contenu qui arrive là, mercredi. Il y a un nouveau lot de jeux. Ils vont enfin mettre, faire corriger la façon VS Faction. Personne presque, je vous disais, tellement c'était long à rejoindre les sessions de jeu. Même si ça du coup laisse coup, je pense que ça sera plus intéressant. Sinon, que dire d'autre, si ce n'est que je suis quand même impatient de pouvoir jouer à GTA 5 aussi. Je sais pas si je l'ai dit, mais je vais aussi à la Gamer Assembly qui se déroule en avril, 3, 4, 5 avril, en tant que joueur libre avec ma team sur Trackmania, enfin Trackmania, Shootmania, parce que moi je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, ouais, je fais partie d'une team de multigaming sur les jeux de Nadeo. Avoir Shootmania et Trackmania 2 Stadium. Et moi je suis responsable de la partie Trackmania 2 Stadium suite à certaines restructurations qui a eu lieu durant l'été, après l'été 2014. Donc il y a pas mal de noms qui sont partis de la team, que ce soit sur à l'époque League of Legends, World of Tanks, il y avait du Minecraft aussi et Trackmania Nation. Forever. Et vu qu'on voulait faire une transition, passer au nouveau jeu de Nadeo sur Mania Planet, savoir Trackmania 2 Stadium et Shootmania, je crois que c'est Storm, je sais plus. Bref, on voulait faire une transition notamment sur Trackmania, à savoir que notre team était assez, essentiellement axé sur ce jeu. La plupart des gens sont partis. Ils ont tout simplement changé de team. Enfin bref. Donc voilà, je m'écarte un petit peu du sujet. Donc je vais vous laisser pour ce troisième épisode. Et je vous dis à la prochaine. Salut!